C'est depuis aux années 1980 que les papas nous disaient qu'il faut faire attention avec tous ces gens qui vous entourent. Papa, pourquoi? Ils sont dangereux. En aimant, ils nous coupent. Ils sont dangereux. Quand vous allez parler avec l'autre, il vous appelle. Bon, écoute, c'est ton ami. Vous vous connaissez comment? Attendez, ne les fréquentez plus. C'est-à-dire, les parents nous préparaient. Ils savaient qu'il doit avoir. Ils ne nous ont pas craché. Ils nous ont dit, vous êtes déjà infiltrés. Papa Daguen a dit, parmi vous déjà, il y a des sorciers. Écoutez, Papa Mbanza disait, écoutez bien. Parmi vous, il y a des gens qui souhaitent ma mort. Écoutez tout d'abord. Et quand nous nous serons plus, la guerre va commencer. Ici, au centre de la terre, tous les Kimbangis, c'est même pas. Papa Daguen apporte deux paires de chaussettes. Il dit, ça va commencer dans ma maison, c'est ce que le papa avait dit. Et Papa Lègue a fui mon côté, il est venu dormir ici. Il a dit à tout le monde que maintenant je suis alors locataire ici au centre d'accueil. Papa, pourquoi? Mais c'est parce qu'on a déstabilisé toutes mes installations spirituelles avec lesquelles je communique avec mon père. Donc, il savait déjà que la dissidence est là. Mais tout le monde savait qu'il y a un successeur. Et que Papa Simon Kimbangia doit être le successeur de leur papa. Tout le monde le sait. Il les savait tous, parce qu'il avait dit ça en 1951. Mais parce qu'il y avait la pression occidentale, et voilà comment la dissidence n'est pas soutenue par d'autres personnes, mais c'est l'extérieur. La dissidence est soutenue à l'extérieur. C'est l'Occident. C'est ceux-là qui sont venus, ce sont eux qui soutiennent. C'est planifié depuis là-bas. Et comme les parents nous ont avertis, on a pris les dispositions. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'avons pas peur parce qu'ils ont tout planifié et nous savons là où nous allons. Il n'y a pas à craindre. Il est le chef spirituel. La succession continue. Je dis et je finis. Merci beaucoup, Papa. Et puis, vous comprendrez nini. Vous savez, vous exercez ce binôme. Vous l'avez dit. Boyoki na matoi, bomoni pe na miso. Ezo dépendre sikoyo. Oyokeli yango na matoi nini. Pe omoneli yango na miso nini. Pe o comprendre nini. C'est-à-dire, façon oyoyo o comprendre. De eko justifier li toi oyoyo oyokelaki. Pe miso oyo yo omonelaki. Voilà. Branché connecté. Na ba analyse spirituelle pour boyokaka. Total. Vidéo wana total. To comprendre nini. To yoki nini, pe to comprendre nini na katia vidéo wana.